Yo les Trashers, bienvenue sur ce let's play interactif sur Pokémon Insurgence. Le jeu Pokémon Insurgence est un fan game qui suit l'aventure Zeta Omicron, dont vous avez déjà pu voir des extraits sur la chaîne Pokémon Trash avec le let's play par Askins, avec une difficulté très prononcée, un scénario adulte et sombre basé sur le culte de Darkrai avec des sacrifices humains et des trucs horribles, et aussi... Et surtout, parce que c'est ça qu'on aime, des nouveaux Pokémon avec des nouvelles méga évolutions, des trucs complètement fous à découvrir, et ça va être vraiment bien. Mais en plus de ça, ce let's play complètement épique sera interactif. En effet, à la fin de chaque épisode, vous pourrez trouver dans la description de la vidéo un lien menant à un sondage avec des défis de semaine en semaine que vous seul m'imposerez. C'est-à-dire que si vous avez décidé d'être méchant avec moi, vous pouvez dire « Eh ben, Fildrong, tu recommences du début avec des Pokémon complètement nuls, vous avez le droit. » Alors prenez-vous une grenadine et c'est parti. La région de Tauren, il y a un an... Oh, je vais prendre ma voix de documentaire. Merci à tous d'être venus. Nous vivons des moments terribles, mes amis. Une grande perte s'est trouvée sur nous. Ah non. Ah, il y a une queue de cheval. Non, pas les queues de cheval. L'augure était un grand homme. L'augure. Il était un super trainer, mais son cœur brûlait avec le désir de protéger son peuple. C'était notre héros. Heureusement que j'ai pris le côté dark, hein, putain. Et possiblement le meilleur leader de la région des Tauren. Ouais. Ah. Mais, je me balade avec ma petite queue de cheval. Comme tu le sais, là où d'autres régions ont des... ont des teams méchantes, des organisations, Team Rocket, Team Plasma, Team Magma, Team Aqua, Team ta mère et Team ton père... Team ton père, hein, extrêmement dangereux. Dans Pokémon Z, hein, la team ton père, ne ratez pas ça, évidemment. It's Pokémon, alors. D'accord, donc, chez nous, les méchants, on a des cultes, des sectes. Oh, putain. Les sectes, c'est méchant, en général. La religion est plus que juste croire. Ils ne se reposeront pas jusqu'à ce que le monde soit exactement comme il faut. Oui, bon, t'as pas vu la Team Magma et la Team Aqua, mec. Ils ont essayé de détruire la Terre. Pour notre protection, l'augure a défait la moitié d'entre eux. Il nous a sauvés. J'ai ma queue de cheval. Il y a une semaine, il s'est barré pour chercher des cultes qui est encore là. Trois petits points, trois petits points, trois petits points. Quand t'as 9 points, ça veut dire qu'il y a un long espace. Il n'est pas revenu avec 3 petits points devant. Il n'est jamais revenu. C'était il y a une semaine. Ça se trouve, le mec, il est parti à Ibiza. Mais tu sais, on s'en fout. Bon, peuple de Tauren. Déjà, le nom. Hein, bref, voilà. Je ne pense pas que notre augure est mort. Je vous assure que je vais chercher jusqu'à ce qu'on le trouve à nouveau. Bravo. Avec le cœur lourd, j'accepte le fardeau de prendre sa place. Oh. Tiens donc. Jusqu'à ce que l'augure revienne, je serai le second. Donc en gros, il prend le pouvoir. Voilà. J'utiliserai toutes les ressources pour le trouver. J'ai ma queue de cheval. Déjà, il a une coiffure de merde. Nous tiendrons le coup, on va pas laisser ces cultistes nous détruire, blabla. Vive la Tauren Région. Longue live la Tauren Région. Ah oui, très très bien, magnifique. Oh, c'est Ectoplasma. Est-ce que tu veux faire un challenge run? Ah bah alors, le truc a l'air vraiment cool. Mais comme vous allez proposer vous-même les défis, je vais dire non. Oui, je suis sûr. Regardez, on dirait qu'Ectoplasma, il a un nez de clown. Est-ce que ça marche? Est-ce que tu peux m'entendre? Trois petits points, trois petits points, trois petits points. Oh, merci Arceus. Putain, faut arrêter avec cette blague. Vous n'êtes pas encore mort. Il faut que vous m'écoutiez. Ça va revenir très vite. Tu dois rester concentré et te rappeler de tout ce que tu peux. Si tu penses que tes mémoires sont importantes, tu vas m'écouter. Trois petits points, trois petits points, trois petits points. On doit se rappeler, oui. Bien sûr que je me rappelle mon nom. Je m'appelle... Fifou. Fifou le Fifou.
Merde, ça marche pas. Bon, tant pis. Fifou. Oui, je suis sûr que c'est mon nom. Tu te rappelles ton nom. Super. Je me rappelle pas si je suis un homme ou une fille. Putain, c'est chaud, franchement, là, au bout d'un moment. Est-ce que je me rappelle de quoi je ressemble? Wouah. Blondin, émo ou black man? Non, on est émo, nous. Bien sûr. Voilà, Evanescence, tout ça, Paramore. Merci mon dieu, si tu sais qui tu es, c'est pas si pire que ça. Oh mon dieu, un ectoplasma. Il faut que tu te réveilles. J'ai envoyé quelqu'un pour le retenir. Ok, il faut que tu te réveilles. D'accord. Oh là 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 là, mon look, je suis magnifique. Ok. La porte est bloquée et Ectoplasma est en train de faire Earthing. C'est une fille, c'est un ectoplasma femelle. D'accord, donc... Ah, elle me fait dévorer. Donc j'aurai plus de mémoire après. Ouh là là. J'espère que ce sera fini d'ici l'heure. Oh, regardez, ils ont des capes. Et la meuf, elle a un bonnet de schtroumpf. Oh putain. La secte des schtroumpfs. Alors, comment sort notre plus jeune prisonnier? Selon l'ordinateur, ses mémoires... Leur mémoire devrait bientôt disparaître. Très très bien. Tout va comme il faut. Excellent. On va enfin accomplir notre part du marché. Bien joué, vous deux. On commencera le rituel. D'accord. C'est très intéressant. J'aimerais bien jouer à Pokémon. Bien sûr, Miss. Je ne raterai jamais un sacrifice. Moi aussi. Attends, j'ai une question. Quand on aura supprimé... les mémoires de l'enfant, qu'est-ce que tu penses en faire? Les tuer? Les mémoires ou l'enfant? D'accord. Pourquoi on leur enlève leur mémoire s'ils les tuent? Bah oui. Mais ne demande pas ça devant elle. Tu sais qu'elle déteste ça. Ça se trouve, ça va être lui que... Ça va être cool de voir un rituel. Ouais. Donc là, je suis en train de me faire bouffer par ectoplasma. C'est chaud, franchement. Miaou. Oh. Ah, il s'enfuit. Il a jamais fait de stratégie, hein, parce que ectoplasma, ça déboîte un Miaou. Hein. Mais bon. L'ectoplasma est parti. Suis Miaou. Ok, il faut que je suive Miaou. Suivons Miaou. Je te suis Miaou. Non, j'ai dit je te suis, Miaou. Miaou ? Miaou, tu es en train de me suivre, tu ne me suis pas. Miaou, Miaou. Ok, alors je t'explique. Suivre, je vais pas aller chercher sur Wiktionnaire. Suivre, c'est suivre. Ok ? Je te suis, tu ne me suis pas. Je suis Sophie, mais je ne suis pas Sophie. Qui suis-je ? Le sien qui suis Sophie. Le chien qui suis Sophie. Finon, concentre-toi, on joue à Pokémon. Une potion. Magnifique. Je mets la potion dans la medicine pocket. Parfait. Donc là, je suis pieds nus en pige. Voilà, je suis en pyjama. Ça va, Miaou? D'accord. Miaou ne sait pas encore si c'est bon ou si c'est pas bon. Là, il y a une bibliothèque. Mais nous, on lit pas, on joue à Pokémon. Voilà. Je ne peux pas courir parce que c'est le début de la partie. Je rate la porte, je rate l'escalier, voilà. Magnifique. Miaou. Je peux pas voir mon menu? Ok, item. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Okay. Là, il y a... de l'eau verte. En général, ça veut dire poison. Genre, fais gaffe à ta vie. Miaou. Miaou, tiens une note. J'ai choisi Miaou pour t'aider. D'accord. Oui. Il peut utiliser transforme. Ah! Magnifique. Il va pouvoir me déguiser comme la meuf dans les X-Men, là. Mystique. Ok, donc là, c'est de l'eau verte. Hein. Magnifique. Vous remarquerez, on dirait du Far Cry 4, hein, la qualité de l'eau. C'est fou, hein. Oh mon dieu, c'est du sang, ça. Bah là, prends l'ADN, Miaou. Prends l'ADN, Miaou. Voilà. Voilà, j'ai pris l'ADN et maintenant, Miaou... Merde.
Oups. Maintenant, transforme. Putain, mais c'est génial. Je suis un Darkrai cultiste. Ok. Magnifique. Donc, c'est le culte des Darkrai, en fait. Hein. Ils sont vénères. Hein. Ok. Alors là, du coup, je peux ouvrir la porte. Non, mais non, ça... je me transforme. Ça me donne pas une clé. Alors, par contre, il flotte sur le sol, un peu. Bon, c'est un fan game, hein, mais quand même. Oui. Oh, il y a des trucs de DNA. Ah, mais du coup, je vais pouvoir aller en haut. Magnifique. On monte, et puis après, on les défonce. J'ai décidé. Mais je peux pas avoir mon... Il n'y a pas de menu. Ouais, non. Qu'est-ce que je fais, là? Je ne sais pas sauvegarder encore. On va là, du coup. On va dans l'eau verte. Voilà, magnifique. Attends, ça veut dire que le sang appartenait à un cultiste de Darkrai? Ça veut dire qu'ils sacrifient leur propre mec. C'est dégueulasse. Ça se fait pas. Salut, j'ai un Mew derrière moi. Tu devrais pas te préparer pour le sacrifice. Regarde, j'ai un Mew. Ha! Non. Bah, lui, ça le choque pas. Il regarde l'escalier, il s'est dit c'est pas grave. Il y a un Pokémon derrière ce mec. C'est pas vraiment un Pokémon qu'on considérerait comme maléfique. Alors, Ice Heal. Pourquoi pas. C'est pas pour ce que ça va me servir, mais sait-on jamais. Une potion. Pareil, hein. Potion, si, c'est bien les potions. Si, on se plaint jamais des potions dans le jeu, de toute manière. On en a tout le temps besoin. Sauf quand vous allez me dire, tu n'utilises pas de potion Fieldrong. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Je vous connais, hein, vous les viewers, hein. Vous êtes sales, parfois. Si je vous disais un truc genre, choisis un défi entre Fieldrong peut faire ce qu'il veut parce qu'il est sympa, parce qu'on l'aime, et Fieldrong ne peut pas faire plus que 30 pas dans tout le jeu et doit quand même finir et battre la ligue. Aussi, il n'aura pas le droit d'utiliser aucun objet, et ses Pokémon ne pourront pas utiliser d'autres attaques que lutte. Voilà. Vous allez, je sais ce que vous allez gagner. Alors, Perséphone a décidé de tenter d'invoquer Darkrai. La dernière fois, il s'est barré. Sacré Perséphone. Bon, alors, il est où le sacrifice? Il est là? Non. Ah oui, voilà. Et donc, on commence. Miss, tu ne peux pas faire ça, je ne veux pas mourir. Oh, merde. Tu as juré de donner ta vie pour Darkrai. Oh! Oh mon dieu. Darkrai, Lord of Darkness. J'ai pas besoin de vous traduire ça, hein. Je veux que tu rentres dans le monde. En retour, je vous offre le soul, l'âme, l'esprit, l'âme de ce loyal servant. Oh, attention, parce que quand il y a du latin dans un jeu, ça veut dire que c'est sérieux. Voco, virtutem, umbrarum, dominum. Hop. Voilà. Mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Une bicyclette? Une bicyclette. C'est une bicyclette cassée. C'est une bicyclette après un accident. Oh mon dieu, ce sont des yeux. En fait, non, c'était pas une bicyclette, c'était un aspirateur. Ça va faire un bruit d'aspirateur. Un aspirateur? Oh! C'est Darkrai! Et moi j'adore Darkrai, j'ai niveau 100, il est trop fort Darkrai. Et puis après j'ai mon Diaga, mon Piacia, et on est trop fort ensemble. Hey Fizron, tu dis vraiment de la merde dans tes vidéos stratégie. Moi j'ai défoncé la ligue avec mon Darkrai, comment tu peux dire que c'est pas un bon Pokémon? Pardon, excusez-moi. Tu équilibres le monde, tu punis les grands et tu détruis les immortels. Ça fait un an. Que je n'avais pas vu. Tu te rappelles ce qui s'est passé? On a accompli quelque chose. Fantastique, oui. Je pensais que vous aviez accepté notre offre. Mais tu t'es enfui et on t'a jamais revu. Mais maintenant je t'appelle à nouveau. Darkrai, pourquoi tu ne veux pas nous joindre? Je sais que ma sœur t'a vu. Oh putain, d'accord. Elle est jaloux. Elle est jalouse. Elle est putain de jalouse. Je suis... Join me. Rejoins le culte qui t'a... Worship. Qui
t'as vénéré depuis tellement de temps. Avec mon guide et à ton pouvoir, le monde pourrait nous appartenir. Trois petits points, trois petits points, trois petits points. Et il se casse. Ah, est-ce que c'est pas lovely, adorable? Voilà, il est parti voir ma sœur. Oh putain. Elle a la rage. T'as la rage, meuf. Je suis confiant que si on essayait encore, on pourrait le piéger. On sait pas pourquoi ça n'a pas marché cette fois, mais si tu nous donnes un autre essai... Casse-toi! Fire Blast! Oh 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 oh! Mais ils sont où? Mais Figrou, ils sont passés où les gens? Eh bien, tu vois, je vais te raconter ce qui est arrivé à ton arrière-grand-père. Tu vois, quand il est mort, on l'a mis dans un incinérateur. Il y a un démolos qui est arrivé, il a fait déflagration et ça fait un tas de cendres. Et bah, c'est exactement ce qui vient d'arriver. Putain. Ça me fait peur, elle me fait peur, d'accord. Je veux me casser en fait. Ça va? On sent l'activité, hein. Voilà. Regardez, eux ils vont se faire des bisous là. Oh 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 oh. Regardez, j'ai un Mew. Vous en avez rien à foutre en fait. Mew! Je peux pas me transformer en moi-même à nouveau, genre... bande d'enfoirés, c'était un piège. Après, tu te fais sauter dessus. Tu te fais déboîter. Ok, soigner la brûlure, c'est bien parce que... Je suis prêt à combattre, mais quand est-ce que je combats? Allez. Donc, il faut que je sorte de cette zone. Sors, Fieldrong. Sors, prends la clé, casse-toi. Est-ce qu'il y a une clé? Non, là, il y a ça. Ah, je sais où je dois aller. Je dois retourner là où le mec disait... Viens. Voilà. Il disait pas tout à fait ça, mais c'était l'esprit, quoi. On sentait qu'il était pas motivé. Alors... Donc là, il y a un mec, là, je peux plus passer. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Salut! Oh, mon Dieu. Ok, d'accord. Perséphone, la méchante, là, hein, qui fait descendre. Elle est en train de checker si je suis encore là. Sauf que je suis plus là, donc je me casse. Allez, hop. Ah, mais... Mew. Oh. Oh là là, c'est quoi ce monde? Bienvenue dans le monde de l'acide. Pardon, excusez-moi. Pourquoi tout est violet? Ah non, c'est le soir. Ah, il est content. Alors, il est niveau combien, notre Mew? Je sais pas comment on voit ça, moi. Oh, mon Dieu. Y a pas de Pokémon, là? En parlant du loup, il montre sa bite. Nidoran, level 4. Go, Mew. Niveau 65? Sérieux? Ça devrait être gérable, alors. Voilà. Donc ça sert à rien d'entraîner notre Pokémon, en fait, du coup. Deux points d'expérience. On n'a même pas vu la barre bouger. Bon, du coup, ça sert à rien d'entraîner nos Pokémon, on est bien d'accord. Enfin, d'entraîner notre Pokémon. Attends, ça veut dire qu'on va avoir un Pokémon niveau 65? Quoi? Là, il y a une Pokéball. Je peux y accéder quelque part ou pas? Non. De toute façon, je suis sûr que c'est genre une potion nulle. La ville de Telnor. Il y a une petite flûte et une autre note dans les mains de Mew. D'accord. Donc, merci pour ta flûte. Tu... Mew? Je crois qu'il a caché cette flûte. Attends, franchement, c'est un Pokémon. Ok, un Pokémon n'a pas de poche. Une flûte! Une flûte. Oh mon Dieu. Je sais où il mettait sa flûte. J'en veux pas de ta flûte, ok? Mew, tu reprends ta flûte tout de suite. Mew? Cette flûte te laisse appeler Mew. D'accord. Your benefactor. Il s'en va, Mew? Non, Mew! Mais j'ai pas de Pokémon, du coup, là. Trois petits points, trois petits points. Je suis sûr... Je pourrais jurer que j'ai vu Mew. Bah non, j'ai pas vu.
Mon nom est Damien. Je veux devenir traîneur Pokémon. Je suis Fifou. T'es venu à Telnortown au bon moment. Oui, super. L'augure, le plus grand homme dans le monde, vient aujourd'hui. Tu sais qui est l'augure? Non. Est-ce que t'as vécu sous un rocher? Mais je suis pieds nus en pyjama, bien sûr que j'ai vécu sous un rocher. C'est l'homme qui protège la région. C'est mon plus grand héros. Le maire et les gens de la ville se préparent depuis ce matin. Je suis excité. Alors, si t'es très excité, mec, j'ai une flûte. Une flûte, tu ne sauras jamais où elle était. J'ai sauvegardé, là. Ok, allez, on va s'arrêter là pour la première séance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à balancer un like ou un commentaire. Si vous avez des commentaires à faire, évidemment, les commentaires, ça sert à rien d'autre. Qui va laisser un commentaire? Le premier qui met first, ok. Le premier qui met first, tu vois la flûte là que Mew là? Eh ben je le mets au même endroit où Mew avait sa flûte. Et crois-moi, Mew il peut se transformer, donc c'est, il a la place. Toi tu peux pas, toi tu peux pas le faire. Alors fais bien gaffe à toi mec, ok? Bref. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Pokémon Trash. Et puis moi j'ai une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Fieldrong sur YouTube. Tu écris Fieldrong sur YouTube au lieu de m'envoyer des messages. Fieldrong, où est ta chaîne YouTube? C'est pas logique. Voilà. Et puis oubliez pas les sondages en bas. Les sondages là dans les commentaires et vous allez décider du défi qu'on m'imposera la semaine prochaine. Voilà, allez, moi je vous fais des gros bisous et puis on se dit à bientôt pour la suite de Pokémon Insurgence sur Pokémon Trash. Tchuss.